L'année dernière, nous avions 38 réseaux dénombrés. Cette année, nous en avons dénombré 44. Donc 40 sont présents ce soir à territoire de réseau ici à l'UBS. Le prix coup de cœur 2017 est attribué, mesdames et messieurs, à Gwinnett Club. Eh ben, pour nous, c'était aussi l'occasion de se présenter à tout l'ensemble des réseaux de façon à faire connaître le Gwinnett Club. On fait tout pour présenter les personnes entre elles. Donc, grâce à nos réseaux et nos connaissances, on fait en sorte de mettre les gens en relation. Jobconjoint.bzdash. Nous, ce prix, il n'est pas pour ces 1000 euros, etc. Ce prix, il est pour créer de l'emploi et faire de, on va dire, du Morbihan une grande région économique. Au-delà de ça, ça permet de donner une impulsion. Le site est déjà lancé, il remporte un succès et on a déjà des demandes pour l'étendre au-delà de notre territoire Bretagne Sud. Les réseaux sont un moteur vraiment très important pour le développement économique. Les réseaux sont l'incarnation des chefs d'entreprise, de leurs activités, de leurs thématiques et de leurs valeurs. Et franchement, sans les réseaux d'entreprise, je pense qu'un certain nombre d'initiatives qui sont présentes sur ce territoire ne seraient pas là. C'est une agréable surprise. Il y a plein d'associations qui travaillent pour le développement du territoire et ça nous engage à prendre des contacts avec d'autres réseaux. L'objectif, en fait, c'est de partager et de vouloir partager avec des professionnels de la fonction. Complémentaires surtout, bien sûr, il ne prétend pas à remplacer l'un ou l'autre, absolument pas. Il n'y a pas de concurrence dans le domaine des réseaux, il n'y a que de la complémentarité. Et puis ce qui est sympa, c'est surtout que tous les réseaux ont leur spécificité et une diversité qui fait qu'on est tous aussi complémentaires. D'échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément dans les réseaux et les accueillir dans notre réseau, les faire venir. Échanger avec des personnes qui sont déjà dans d'autres réseaux et là aussi partager certaines expériences. Le club des plus belles baies du monde. Nous ici, on est une des 40 associations. Et donc on a tissé ce lien parce que le siège mondial est ici. VIP est une toute petite équipe, mais un facilitateur dans ce domaine. Ce que nous voulons proposer, c'est d'être une interface d'échange pour les réseaux entre eux, pour le monde économique avec les collectivités. Et nous essayons d'être un nœud de ces réseaux d'entreprise à Vannes. OUSAF est un ensemble homogène, de plus en plus homogène, et de plus en plus efficace pour les entreprises. Avec les 40 réseaux présents ce soir, on peut vraiment se rendre compte de la diversité et la pluralité des réseaux sur le bassin vannetais. Beaucoup de choses sont basées sur les réseaux à Vannes et c'est pas partout. Donc je dirais ça, c'est un moment privilégié. C'est du business dans la convivialité. On passe une très bonne soirée. Voilà, donc une très bonne soirée. Parfait, c'est toujours très bien organisé. Nous passons une bonne soirée. Effectivement, nous passons une bonne soirée. Je suis très content, Bertrand, de l'organisation de cette soirée. Je suis très content également de son déroulement qui, comme on le voit derrière moi, a l'air de très très bien se passer. C'est une belle soirée. C'est maintenant un rendez-vous assez incontournable sur le territoire. On a plus de 500 personnes rassemblées ici ce soir et nous donnons rendez-vous à l'ensemble des acteurs économiques pour Territoire de Réseau en 2018 maintenant.